Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et moi je vais bien surtout parce que voilà, j'ai fait des lives ces derniers temps qui se passent plutôt bien. Enfin un live dernièrement qui franchement m'a mis dans un bon mood. Et du coup là je fais une vidéo juste après le live, etc. Et du coup bah voilà, c'est vachement cool. Bon, alors aujourd'hui j'ai parlé dans cette vidéo sur un fléau de Movistar Planet. Ça commence déjà à partir, voilà, pas dans le bon mood, mais bon c'est pas grave. Alors, je vais vous parler d'un fléau. C'est Jatsuna qui en a parlé à Johanna, qui est une de mes modératrices, et qui m'a fait remonter le problème. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre Jatsuna parce que franchement, ce qu'elle fait, c'est méga beau. J'ai regardé les images qu'elle a fait, etc. Franchement, n'hésitez pas. Elle a aussi une chaîne YouTube que je vous montre juste ici, donc Jatsuna. J'espère que je prononce bien Jatsuna. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, elle fait du beau travail. Quand j'ai vu ces images, j'ai dit waouh, quand même, c'est magnifique. Mais le sujet de la vidéo est un peu moins plaisant, voilà, parce que bon, le fait que je fasse des vidéos sur Movistar Planet et que j'ai quand même une grosse communauté, parce que moi je trouve ça énorme, on est presque 100 000 sur la chaîne, donc merci beaucoup. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, c'est la gratuité, comme je dis en ce moment. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que bon, ça existe depuis toujours, depuis la nuit des temps, depuis que Internet existe, ce fléau existe déjà, mais apparemment en ce moment il existe plus qu'avant, et sur Movistar Planet, où justement il y a une communauté qui est quand même assez jeune, et qui a tendance des fois à être naïve en pensant qu'en allant sur un simple site, que l'on puisse devenir VIP, qui est totalement faux. Du coup je voulais vous mettre en garde, vraiment rester sur cette vidéo. Je sais c'est un peu flippant dit comme ça, mais vraiment faut vous rester sur cette vidéo pour comprendre vraiment ça et ne pas faire l'une des plus grosses erreurs de peut-être votre vie, voilà, puisque ça peut aller très loin. Voilà, bon, désolé de vous faire flipper, mais vraiment je veux vraiment qu'en fait que, comment dire, que ça vous percute. Ça vous percute le cerveau, enfin c'est très bizarre dit comme ça, mais vraiment que ça vous percute et que vous ne faisiez pas cette erreur. Vraiment, je profite d'avoir aussi également une grosse communauté pour vous demander d'en parler à vos amis qui jouent à Movistar Planet, même si ça peut atteindre n'importe quel jeu, ça peut être vraiment voilà, sur internet, partout, sur tous les jeux, mais en ce moment ça arrive aussi à Movistar Planet. Vraiment partagez cette vidéo, ou au moins même pas partagez cette vidéo, mais dites l'information aux personnes autour de vous pour pas qu'elles se fassent avoir, voilà. Donc en fait Jatsuna, elle a contacté Johanna et elle lui a montré des screens d'une personne, enfin de plusieurs personnes, qui est sûrement une seule et unique personne qui utilise différents comptes, qui commence à mettre des commentaires sous les photos sur Movistar Planet, qui commentent les photos de, bah je pense pas que Jatsuna, je pense que ça arrive à plusieurs personnes. D'ailleurs faudrait que j'aille voir si moi aussi j'en ai, mais vu que ça fait longtemps que j'ai mis zéro photo, zéro artbook, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être des personnes qui doivent aller dans le top des photos, dans le top peut-être des artbooks, et qui spamme ce message. Je vais vous montrer tout de suite, je vais pas vous faire patienter plus longtemps que ça, mais en gros lorsque vous allez appuyer dessus, voilà, vous allez voir des pseudos totalement bizarres qui met obtenez des diamants gratuits sur le site web. Bon, je vous dis déjà d'avance, n'allez surtout pas sur ce site, et n'allez d'ailleurs sur aucun site chelou comme ça, d'où la provenance est assez comment dire, assez inconnu, on va dire ça comme ça. Si vous ne connaissez pas la personne, si vous n'êtes pas sûr du site sur lequel vous allez avant d'aller dessus, n'allez pas dessus, vraiment n'allez pas dessus, parce que ce sont souvent des sites de je pense que ça s'appelle, je crois le bon terme c'est de phishing, je crois que c'est ça, de phishing, en gros c'est en anglais, mais je vais vous expliquer un petit peu la fonctionnalité. Alors, bah déjà, encore une fois, vraiment, avant d'expliquer, il faut vraiment que ça vous percute, n'allez pas sur ce site. Je sais, on dirait une gogole, enfin je le dis, mais n'allez pas sur ce site. Vous n'aurez pas de diamants gratuits en allant sur ce site, vraiment. Alors bon, en fait, ce sont le genre de sites où vous allez aller sur ces sites-là et ça va vous installer sur votre ordinateur un logiciel espion. Ça, c'est pour la plupart des cas, c'est ce qui va arriver. Alors attendez, je regarde à côté, puisque je vais pas aller sur ce site.
mais j'ai pas envie de... Non, je vais pas tester, je suis pas folle à ce point-là. Mais en gros, c'est le genre de site où vous allez vous connecter, soit vous allez vous connecter, ça va automatiquement vous installer un virus sur votre ordinateur, soit ça va vous demander des coordonnées bancaires, soit ça va vous demander votre compte MSP pour devenir VIP. Mais si vous donnez votre compte, alors ça peut être dans l'un des trois de figure, soit vous allez donner votre compte MSP, vous allez vous faire pirater, soit vous allez télécharger un logiciel et ça va aller beaucoup plus loin que ça. Je vais vous expliquer le fonctionnement pour la plupart des gens qui téléchargent sur un site qu'ils ne connaissent pas. En gros, ça vous installe un logiciel espion sur votre ordinateur et suite à cela, ce logiciel va espionner tout ce que vous faites sur votre ordinateur. En gros, si après votre parent se connecte sur l'ordinateur et fait des achats en ligne, le logiciel espion va enregistrer les coordonnées bancaires de votre parent ou de vous, hein, si vous êtes majeur et que vous avez déjà une carte, ou même si vous n'êtes pas majeur, vous avez une carte et que vous l'utilisez en ligne. Ça va prendre toutes ces informations là en fait et ça va tout simplement après la personne qui vous a fait télécharger ce logiciel. Et va réutiliser ces informations bancaires, soit va les revendre sur internet, soit va les utiliser, soit voilà, vous allez perdre de l'argent sur votre compte bancaire ou sur d'autres choses, ou bien tout simplement le logiciel espion va enregistrer vos coordonnées de votre lorsque vous connectez sur MSP ou sur votre boîte mail ou peu importe où vous allez, voilà, et vous allez vraiment perdre beaucoup de choses. Alors, et troisième cas de figure, ça peut être aussi quelque chose qui va enregistrer sur votre PC un logiciel de mining, enfin qui mine tout simplement de la crypto-monnaie. Je vous parle vraiment dans les grandes lignes parce que je pense que ça vous intéresse pas en détail. Le plus important à retenir dans cette vidéo, c'est de ne pas aller sur ces sites. Désolée de répéter, mais vraiment n'allez pas sur ces sites. Et en gros, la crypto-monnaie, en gros, ça va en soi, c'est pas le pire des. C'est pas le pire des virus que vous pouvez avoir, même s'il va commencer à consommer votre ordinateur, va consommer plus d'électricité, va être un peu plus en surcharge puisqu'il va travailler pour la personne qui vous a fait installer ce logiciel de crypto-monnaie en fait, de minage. Et la personne va gagner de l'argent en utilisant votre ordinateur pour travailler pour lui en fait. C'est comme si vous empruntez votre ordinateur et qu'il travaille dessus. Et du coup, votre ordinateur, il travaille plus et consomme plus et est moins performant. Et ça peut être ça. Et ce qui est plus chiant là-dedans, c'est que la seule façon de enlever ce virus-là, c'est de complètement reformater de A à Z votre ordinateur. Ce qui peut être long et ce qui peut être chiant parce que vous allez perdre beaucoup de données et beaucoup de temps. Donc ça, c'est plusieurs différents cas de figure. Il doit y en avoir beaucoup plus que ce que je vous ai dit dans cette vidéo-là maintenant. Mais c'est les trois, je pense, les plus gros cas de figure que vous pouvez avoir en allant sur ce genre de site. Moi, je vais pas aller sur ce site, je vais pas vous montrer en direct. Le but, c'est pas que je perde mon PC en direct dans cette vidéo parce que ce serait dommage pour moi et vous auriez pas de vidéo ni de live pendant les prochains jours. Mais vraiment, c'est un fléau parce que Jatsuna m'a dit qu'il y en a de plus en plus et que malheureusement, Movistar Planet ne fait rien contre cela. Ce qui est un petit peu dommage puisque... comme j'ai dit au début de vidéo, Movistar Planet a une communauté assez jeune et quand une personne est désespérée et jeune et qui voit qu'il peut devenir diamant gratuit, qu'il peut obtenir des diamants gratuitement ou devenir VIP gratuitement, hein, à skip entre guillemets, juste en allant se connecter sur un site, et il y a des gens qui se font avoir et qui vont sur ces sites-là pour télécharger quelque chose, pour mettre leurs coordonnées ou d'autres choses. Voilà, donc vraiment... je vous incite fortement à ne pas tenter le mal, surtout que déjà réfléchissez pourquoi une personne spammerait pour aller sur un site, pourquoi une personne vous donnerait des diamants gratuitement, déjà réfléchissez à ça. Pourquoi est-ce une personne ferait ça déjà à la base? Là je vous montre le message de Jatsuna qui a montré le lien, qui est allé sur le qui a testé le lien. Voilà, voilà comme elle dit. Alors ça fait environ 2 semaines que je vois dans les commentaires de toutes les photos ce genre de messages qui promettent des diamants gratuits suivis d'un lien qui paraît suspect. Je suis donc allée mener ma petite enquête. Et là du coup on peut voir que déjà quand on se connecte sur ce genre de site, on a directement un message d'alerte. Alerte site web frauduleux. Ce site web tente peut-être de vous inciter à faire quelque chose de dangereux comme installer un logiciel ou révéler vos informations personnelles et financières telles que vos mots de passe, vos numéros de téléphone ou vos cartes bancaires.
Alors là, j'espère que la plupart des personnes qui, jusque maintenant, auront essayé d'aller sur ce genre de site, auront déjà rebroussé chemin, parce que déjà, quand tu vois ça, c'est qu'il y a un gros problème sur le site. Je connais vraiment très peu de sites qui sont fiables malgré ce message-là. Très peu. La chance est presque zéro de tomber sur un site fiable qui a ce genre de message. Donc, ne cliquez pas sur ce genre de site. On va juste voir par curiosité, on va tester d'aller dans les messages des derniers artbooks, des dernières photos pour aller... Oh, mes artbooks, oh, je suis... Oh, merci, vous m'avez... C'est la fille qui découvre en vidéo. Merci pour les 1000 love it, franchement, merci énormément. Oh, mais vous êtes trop chou. Vous êtes trop méga chou. Merci pour tous les love it. Je vais jamais sur cette page, j'ai pas vu. C'est vrai que je disais en plus que... Attendez, on va voir si sur... Dans mes commentaires, est-ce qu'il y a un bot qui a mis ce genre de message ou pas? Moi, je pensais pas que vous étiez... Oh! Alors, on va voir si on en trouve. Ne regarde pas mon profil, lol. Et moi, merci beaucoup. Pour l'instant, je n'en vois pas. Après, vous êtes très nombreux à avoir mis les messages. Peut-être qu'il faut que je descende tout en bas, je ne sais pas. Bon, après, le challenge Fisca, je l'ai fait quand? J'ai fait la semaine dernière. Est-ce qu'on peut... En plus, on peut... Ah si, on peut effacer. On peut effacer les messages. Donc, c'est ça qui est bien déjà, c'est qu'on peut effacer les messages. Donc, si vous voyez ce genre de message sur vos photos, sur vos artbooks, pensez à les supprimer. Parce que peut-être que vous ne tomberez pas dans le panneau, mais peut-être la personne qui regardera votre artbook ou votre photo, elle, tombera dans le panneau. Donc vraiment, essayez de supprimer les messages. Je pense que Jatsuna n'a pas supprimé pour que je puisse les voir directement en direct sur son profil, sur ses photos. Mais du coup, voilà, pensez vraiment à les effacer pour pas qu'une autre personne derrière se fasse avoir. Abonnez-vous à PewDiePie, abonnez-vous à T-Series. Ouais, parce que je sais qu'il y a un truc sur... Ouais, bon, je vais pas parler de ça maintenant, mais sur YouTube, il y a en gros un live qui fait PewDiePie contre T-Series. Ce sont deux chaînes YouTube, et celui des deux qui a le plus d'abonnés. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé, c'était T-Series. Challenge cancer. Non, je trouve absolument pas que ce soit un challenge cancer, mais bon, là, je suis pas une vidéo où je réactionne à vos commentaires. Mais moi, je trouve que, justement, elle est très bien. Ce challenge est super. Bon, pour l'instant, je n'en vois pas. On va peut-être aller voir... Pardon, pourquoi je vais là-dedans? Peut-être qu'on va aller directement en création. On va aller voir dans les derniers. Bon, les bonbons. C'est un petit peu de mal, là. C'est un petit peu de mal. Mais bon, en gros, le message à retenir, n'allez pas sur ces liens-là. 15e fois que je le répète dans cette vidéo. Et si vous avez ce genre de message sous... Oh là, ça a complètement bugué. Regardez, il n'y a rien qui s'affiche. Si vous voyez ce genre de message dans vos commentaires de photos, peu importe, dans vos commentaires de partout, et c'est sur vos trucs à vous, vous pouvez les effacer, donc n'hésitez pas à les effacer. On va faire ça, on va retenter. Ouais, bon bah ça bug. On adore, il est minuit 43 au moment où je fais cette vidéo, on adore, on ne peut pas aller, bon tant pis, je ne vais pas regarder, mais le message est passé, j'espère, voilà, donc vraiment passez ce message à tous vos amis, je ne vous demande même pas de partager cette vidéo ou quoi, mais vraiment, juste au moins passez le message, vraiment, parce que je sais que quand on est jeune et qu'on fait ce genre de choses, ça peut aller assez loin, et ce serait vraiment dommage de perdre son ordinateur juste pour un lien, juste pour vouloir, enfin l'envie d'avoir des diamants gratuitement. Sachez encore que déjà à la base, qui que ce soit vous propose des diamants gratuits, déjà qu'il y a quelque chose derrière qui ne va pas. Il y a déjà un problème derrière ça. En plus, c'est des personnes que vous ne connaissez pas, c'est encore deux fois plus de risques, etc. etc. Pensez vraiment... ça s'est affiché, mais bon, vu que j'ai fini la vidéo, voilà, on va s'arrêter là, tant pis. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous, et si vous avez ce genre de choses à me faire passer, n'hésitez pas, d'ailleurs voilà, justement, à passer par, je sais pas si Johanna ça la dérange ou pas, mais vraiment que des messages importants de ce genre là, où vous pensez qu'il est important que je fasse une vidéo dessus, des sujets entre guillemets importants comme ça, n'hésitez pas à les faire passer, parce que moi ça me dérange absolument pas de prévenir la communauté MSP de certaines fraudes, etc.
peu importe le moyen, tant que vous donnez les détails, etc., pour que je puisse en faire une vidéo complète. Là, pour le coup, j'ai vu en direct que c'est vraiment un bot qui met ce genre de message, et ça se voit tout de suite, de toute manière. Donc, c'était important pour moi de... Voilà. Voilà. Bon, je vais pas... je vais pas continuer à parler. Je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao.